a eu de la chance. On a réussi à lui sauver la jambe. Ouais, c'est cool ça. Ouais, bah c'est pas grâce à vous, hein. Ta gueule. Ah, le bâtard. Je te pète le gueule comme ça. Allô? Quoi? Bon, Johnson, ramène-toi. Bah c'est pas vraiment possible, les infirmiers ont dit que je restais ici encore quelques jours pour soigner mon genou, pour me rééduquer. Mais putain! Faut que je me défouille là! Ah ouais, on voulait, il y a un stagiaire et il y a un vieux dans le couloir. Ah, ça fera l'affaire. Toi là! T'es mon nouveau stagiaire! On a du pain à la planche! Alors va me faire un putain de café! Qu'est-ce qu'on a? Une fille perdue, probablement assassinée en allant aux chiottes. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle a assassiné? Que bon, je le sens. Qui vous dit que ce n'est pas plutôt des règles? Trop facile cette bonne inspecteur. Mais on a entendu des détonations. Mais... putain les départs. Après peut-être que les détonations c'est quand elle a chié. Avoir une chasse carabinée c'est peut-être pas dans le sens propre. Faut que j'aille chier. Mais c'est la scène de crime. Putain l'abruti m'a dégagé la scène de crime. Putain n'allez pas craquer une allumette là-dedans. Oh merde. Ah putain ça m'avait manqué. Non mais je trouve pas hein. Inspecteur, vous avez pas l'impression de me gêner dans ma guérison? Oh le grand sang. Vous ne le saviez pas. Ah oh. C'est qui ton patron? Putain oh. Hé hey, hé, hey, je fais le petit con, j'ai la fuite de balle oh. Putain, mais tu fais vraiment exprès. Bon, Johnson. Aïe. On a notre première enquête terminée. Hé, hey, Johnson. Aïe. On peut dire que sur ce coup-là, tu t'es cassé la tête.